Ma soeur en motogrette. C'est tellement accurate. Oh my god. En plus, j'en ai une dans ce moment que j'ai acheté hier. Salut les gens! Donc là, je sais pas si vous apercevez Alexandra dans le coin. Il est 13h15. Je me suis levée à midi finalement parce que je sais pas si vous avez vu ma Instagram story, mais je vais se coucher à 5h du matin. Parce que j'ai fait du ménage jusqu'à comme 3h. Puis après ça, j'ai eu des problèmes en faisant le montage de ma vidéo. Ça, c'est le fait que je me suis couchée super tard. Puis c'était niaiseux là, parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille étudier. Fait que là, je viens de finir de déjeuner. Je pense que je vais me faire un café. Ou bien un thé. Je vais aller chercher le calendrier, voir si le thé me tenterait. Là. Puis ensuite, comme je disais hier, il faut que j'aille à l'école et tout ça. Donc, en tant que frère, je m'excuse d'être tout le temps en pyjama. Je ne mets vraiment pas de vêtements à moins que c'est short de chez nous parce que j'habite tout seul. Puis, c'est pas quelque chose qui me motive nécessairement plus d'être en vrai linge, mettons, quand je suis chez moi. Je sais que c'est beaucoup ça que les travailleurs autonomes font. Genre, ils s'habillent quand ils travaillent à la maison. Mais moi, je suis presque jamais. Ben, non, c'est pas vrai. Je suis quand même souvent à la maison, mais pas tant que ça. Fait qu'on dirait que dans ma tête, il n'y a pas ce... Il n'y a pas cette association-là. La seule association que j'ai au pyjama, c'est Colin, je peux bien plus être confortable quand je suis chez nous, me permettre d'être en pyjama. Quand je sors pis que là, faut que je m'habille pour de vrai. Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps pas tellement arrangée. Fait que là, aujourd'hui, ma vidéo, je l'ai juste publiée à midi à cause de justement mes petits problèmes avec le montage. Mon ordi était plein en fait hier dans la nuit. Ce qui faisait que je pouvais rien faire. Puis ben, quand je me suis couchée, je pensais que ça avait fonctionné puis ça allait se publier à 7h, mais finalement, elle avait pas fini d'importer, donc quand je me suis réveillée tantôt, elle était pas importée. Puis en plus, j'avais dit sur Instagram qu'elle était publiée puis elle était même pas, il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'elle la trouvait pas. Ok, donc là, on est le 8, je vais ouvrir le calendrier de chocolat. Ah, c'est une sorte que j'ai jamais eue, celle-là. C'est Ferro Tenderly Torruccini. Dans le fond, c'est un chocolat au lait avec centre à la noisette et au nougat. Comme ceci. Le thé, est-ce que vous voyez? Oui. Le thé du jour de la Betty. C'est... 8. Je trouvais la petite porte. Comme ça. Je sais pas si je vais racheter qu'il y en ait la vente de la Betty l'année prochaine. Parce que ça fait vraiment plusieurs années que je l'achète, mais à chaque fois, je bois pas tout l'été, fait je commence à remettre en question mon choix. Zeste des fêtes! Ah, je le connais pas, ça doit même être bon! C'est un houlong. C'est-tu comme avec des agrumes? Oh my god, il sent trop bon! Ouais, j'ai goût de faire celle-là. Ça sent full genre l'orange puis le citron. Ça va être bon. Ok, fait que je vais faire chauffer de l'eau. Et le calendrier... de l'Auto-Québec. Il faudrait qu'on ait une petite feuille de gui. Ah! C'est une petite feuille de gui, fait que j'ai gagné 10$. Donc là, je suis rendue à 13$ de gagner, puis il m'a coûté 10. Ah! C'est cool! Je viens de faire mon thé, puis je l'ai mis là-bas au loin dans une tasse de voyage parce que je me fais plus confiance avec des liquides autour de mon ordi. Je sais pas si vous savez, mais il y a 3 semaines, j'ai échappé un café latte dans mon ordinateur et j'ai failli le perdre. Ben, évidemment, il est correct, mais comme j'ai eu peur de le perdre. Fait que, ouais, je parle comme si c'était une personne, mais tu sais, c'est mon outil de travail important là, pour l'école pis tout. Là, ça fait quelques jours que j'ai rien fait pour mon stage. Je suis sûre que je devais avoir des deadlines. Ben, des deadlines. C'est qu'on a un calendrier de publication, là. Sur Google Drive pour les médias sociaux. Mais là, j'ai comme... Écoute, j'avais pas la tête à ça, mais je me sens comme mal. Je vais aller voir si je peux faire quelque chose rapido, là, puis après ça, faudrait que je saute dans la douche, puis que je m'en aille... ben, que je m'en aille à l'école. Puis travailler, puis tout ça. Ben, travailler sur
ma révision, parce que j'ai un examen demain. Oh boy. Donc là, finalement, je peux vous montrer un peu mon outil de travail pour mon stage. En fond, je fais de la gestion de la création de contenu, un peu de gestion de communauté aussi pour Belle & Belly, qui est une compagnie de vêtements de maternité en location. Puis là, moi, l'outil de travail que j'utilise beaucoup, c'est Planoly pour Instagram. Maintenant, on peut faire des auto-publications. Éventuellement, j'aimerais ça comme durant la semaine, m'asseoir pour faire toutes mes publications pour la semaine. Là, j'y vais pas mal au jour le jour avec l'inspiration, puis avec aussi le calendrier de publication que l'autre stagiaire nous a fourni. Puis aussi sur Facebook, bien ça, je vais directement sur Facebook avec l'outil de planification Facebook. Mais c'est ça, Planoly, c'est le fun parce que ça peut te permettre de voir tout ton feed ensemble, qu'est-ce que ça va avoir l'air. D'évaluer tes statistiques aussi, puis justement de faire ta publication à l'avance, comme là, mettons, il est 1h45, puis je l'ai mis auto-posté à 14h, à 2h, fait que dans 15 minutes, ça va se poster sur la page, puis je pense que pour un samedi, c'est pas mal une bonne heure, là. Je regarde aussi avec les chiffres qu'on a. Donc ça, c'est réglé. Fait que là, je m'apprête... À qui tu parles? Tu me parles-tu? Il y a quelqu'un chez vous? Non. Tu me parles? Hop là, tu parles à ma soeur, mais je sais pas si ça me parle à moi. Non, je voulais dire que je veux me faire une fusiodose aujourd'hui. Je sais pas essayer encore, fait que ça va être aujourd'hui le test. Autrefois, j'avais pris une photo de mes cheveux avant. Fait que là, je vais faire un mélange double brillance, dans le fond. Parce que ça me tente de me faire un petit soin. Oups, il y a des petits ampoules qui sont tombées. Durant ma fin de session... pourquoi pas, ça prend pas de temps, il n'y a pas vraiment de temps de rinçage, on peut le garder un petit peu, 2-3 minutes si on veut, mais on n'est même pas obligé. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le fusiodose comme ça, le concentré, puis on prend le booster, oh ma soeur vient d'accrocher, on prend le booster, puis on vient les mélanger ensemble dans le fond. Ah, puis je vais prendre mon... j'allais le fermer, mais il faut que je prenne mon petit spray. Parce que quand on achète un seul, il faut que tu le vides dans tes cheveux. Mais quand t'as comme le Home Lab, t'as le petit spray après que tu peux garder. Fait que ça, c'est super chouette. Oui, comme ça. En avant le petit bouchon. La caméra a coupé pendant que je vous expliquais, mais j'ai juste venu casser... Est-ce que je suis en focus? Fait que là, on met juste... mettre un dans l'autre. Puis ça, c'est pas déjà pré-mélangé parce que une fois mélangé, c'est bon pendant... c'est efficace pendant une semaine. Fait que là, on vient juste vider ceci. Puis, avec le petit spray, on mélange. Puis là, sur cheveux lavés, avant de mettre le revitalisant, on va venir sprayer ça partout. Puis après ça, on rince. Donc je vous montrerai les résultats après. Là, vous pouvez regarder un peu avant. Je pense pas qu'on voit grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais clairement mes cheveux, ils sont pas si abîmés que ça, mais il manque un petit peu de brillance. Fait que j'ai hâte de voir après qu'est-ce que ça va donner. Vous irez voir sur mon Instagram, j'ai fait un meilleur avant-après. Puis là, désolée, vous entendez mes parents en arrière. Mais c'est quand même fou là, comment j'ai de la brillance. Mes cheveux sont doux là. Fait que ça, j'ai utilisé, comme je vous avais montré, on n'arrive pas à recevoir des messages, le concentré Pixelis, puis le booster brillance, puis je vais vous montrer ma routine complète, pas très fort. Là, ils sont mouillés parce qu'ils sortent de la douche, mais j'ai le bain résistance force architecte avec le ciment anti-usure, donc c'est mon shampoing, ça c'est mon revitalisant. Puis quand je sors de la douche, dans le fond, oups, j'en fais ça. Dans le fond, quand on met le fusiodose, c'est sur les cheveux essorés après les avoir nettoyés. Puis ensuite, on fait notre masque ou notre revitalisant. Puis moi, j'ai fait le revitalisant. Puis en sortant de la douche, je mets le ciment thermique glaçage Thermoseal, qui est un soin protecteur de chaleur. Puis qui vient aussi compléter la routine et renforcer le cheveu. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. J'ai hâte de faire aussi celui plus réparateur, là, plus tard dans le mois. Donc là, je suis prête à finalement m'en aller. Écoutez, c'était vraiment un struggle aujourd'hui, mais c'est ça, j'ai toute la journée, le reste de la journée pour faire mes études, mais là, je sais pas si je reste ici, je mange ma salade, ou si je vais comme... c'est sûr que je vais manger ma salade, mais je sais pas si je vais quelque part étudier. C'est sûr, il faut que j'aille imprimer des feuilles, puis moi, j'ai plus d'encre ici.
Fait que peut-être que je vais passer à l'école, puis après ça, soit aller dans un café, soit faire un récit. Je vais voir, mais je me suis comme un petit peu préparée parce que ça faisait quelques jours que. Ben, tu sais, hier, je me suis préparée pour aller travailler, là, mais ça faisait quelques jours que des fois, je me préparais pas tant. Et on dirait que ça a fait un petit boost à l'estime, puis que ça me met de meilleure humeur. Fait que j'ai mis juste un peu de cacherne, puis du mascara, là, de la poudre, puis du bronzer, tu sais. Fait que c'est ça, puis ouais. C'est des beaux cheveux doux. Je viens de mettre le. J'ai coupé le son. Je viens de mettre le rouge à lèvres que j'ai eu de Nars. Je le trouve full beau. Là, je sors de la graine brûlée, le café où j'ai été étudiée, puis je suis au Pharmaprix. J'ai été chercher les petites boîtes de Kleenex de Noël que ma mère veut. Puis je vais nous acheter les petits formats des normopères ben, de styleur, là, comme j'avais mis dans mon guide cadeau. Il y a un petit kit, il y en a trois dedans, puis c'est 36, quand normalement pour un, c'est 31. Puis il y a Kitten Karma que j'ai déjà, fait que je vais donner à ma mère. Puis je vais peut-être les donner trois à ma mère. Il y en a un qui est blanc, puis l'autre qui est gold. Fait qu'on va pouvoir se maquiller avec ça pour Noël. Fait que là, je retourne à la maison, mais c'est encore un peu d'études à faire, mais j'étais étonnée d'être assise là, fait que je vais aller chez nous, ça va aller. Je viens d'arriver à mon appart. Finalement, je suis allée imprimer des documents à l'école. Puis ensuite, je suis allée au café La Graine Brûlée. Je suis restée jusqu'à, je pense, 8h20. Puis je voulais m'en aller rapidement. Finalement, il est 9h55 parce que je passais au Pharmaprix. Puis il m'est arrivé une histoire vraiment bizarre. Dans le fond, je suis allée au Pharmaprix qui est juste à côté de La Graine Brûlée. Fait que si vous êtes à Montréal, peut-être que vous savez, là, c'est comme un Pharmaprix avec l'espace beauté. Ils ont pas mal de marques maquillage, tout ça. Puis je voulais aller voir si vous avez les petits coffrets de Stila parce que ma mère, depuis qu'elle a vu mes brillants Stila, là, ceux que je vous avais montrés dans un vidéo à un moment donné, les Kitten, ben, la couleur Kitten Karma, ceux-ci, que je mets souvent, ben souvent, que je mets quand je vais avoir du brillant, que j'aime full, ben elle voulait que j'y donne, mais j'étais comme, ben y a pas question. Je te le donne pas, mais je peux t'acheter d'autres affaires. Fait que là, il y avait un petit kit comme ceci. Fait qu'à l'intérieur, il y a Kitten Karma, il y a la couleur Golden Girl puis Pearlina que j'ai essayé ici, mais je pense plus que ça paraît. Là. C'est comme des petits brillants blancs puis avec ben, blanc bleuté. Puis l'autre, c'est plus doré, puis celui-là, c'est comme Rose Gold. Fait que ce petit kit-là, il est 36. Normalement, un gros format, c'est 31. Fait que je me suis dit qu'on allait se séparer. Je sais pas si ma mère va prendre les trois ou si j'en prendrai un. T'sais, on va voir. Là. Je vais les emmener puis on va choisir. Mais dans le fond, c'est comme des petits formats comme ça. Mais comme je disais dans la vidéo d'idées de cadeaux, ça vaut pas la peine d'acheter comme un full gros format. Là. C'est pas quelque chose qu'on met à chaque jour, dans le fond. Hein. En tout cas, moi, je mets pas des brillants sur mes yeux à chaque jour. Je sais pas s'il y a des gens qui le font, probablement, mais pas moi. Puis, ma mère avait aussi que j'y rapporte des boîtes de Kleenex de Noël. Parce qu'il y en a pas dans les pharmacies aux îles. Ils m'en ont pas commandé. Fait que là, elle veut mettre ça sur son bureau. Fait que je vais mettre ça dans ma valise. Il y a une autre affaire aussi à apporter. Sauf que là, j'arrive au payer au cosmétique, ok? Puis, ma carte fonctionne pas. Fait que là, mettons, j'ai essayé de payer avec mon PayPass sur mon téléphone cellulaire avec ma carte de débit, comme je fais tout le temps. Puis, ça m'a dit accès restreint. Fait que là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai réessayé, j'ai essayé avec ma carte, tu sais, ma carte physique. Marche toujours pas. J'ai essayé d'aller me connecter sur, accéder pour voir qu'est-ce qui se passait. Ça fonctionnait pas. Fait que là, j'étais comme, ok, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai appelé ma mère pour dire, est-ce que toi, t'as accès? À accéder, peut-être aller voir si tout est correct, mais finalement, je te dis, ah, ben, tu sais, Desjardins, je pense que tu peux appeler 24 heures. Fait que j'ai appelé, puis finalement, après genre 15 minutes au téléphone, ils ont fini par régler mon problème. Ils m'ont demandé 1000 questions de sécurité, là, comme d'habitude. Puis finalement, turns out qu'ils ont bloqué mon compte par courtoisie, vu que c'est la période des fêtes, puis que j'ai payé avec mon téléphone. Ils pensaient peut-être que je me faisais frauder. Fait que là, ils m'ont toutes fait valider toutes les récentes. Facture que j'ai fait dans les derniers jours, puis comme combien j'ai payé, puis en tout cas. Fait qu'il y a un estime messe qui a fait que ben je suis arrivée chez nous plus tard que ce que j'avais prévu. Puis dans le fond, c'est que j'ai pas fini mon étude. Là. J'ai fait comme vraiment une bonne partie, mais je voulais continuer ici. Fait que je vais faire ça, mais juste que j'aurais aimé ça me coucher pas tellement tard. C'est que j'ai un examen demain, mais tu sais, je veux quand même finir ce que je voulais faire pour mon étude. Fait qu'en tout cas, ça m'a un peu fait chenoute, mais regardez. J'ai pu finalement acheter des affaires. En plus, j'ai appelé ma mère en rêve, elle était comme, ah, tout ça pour m'acheter des trucs. Mais j'ai dit, ben oui. Ça m'arrive, genre, tout le temps. Je sais pas pourquoi ils bloquent tout le temps ma carte. Je sais pas si c'est à cause que je suis avec une institution financière des Îles-de-la-Madeleine, puis que je fais des achats à Montréal. Peut-être qu'ils se demandent
Faudrait peut-être que, genre, ben, ils savent en même temps que j'habite ici. En tout cas, je le sais pas, là. Mais je pense que c'est au moins la 3e ou 4e fois qu'ils annulent ma carte ou qu'ils la remplacent. Parce que moi, je me fais frauder, mais je me suis jamais fait frauder. Je parle pas ma carte nulle part. Enfin, en tout cas. Finalement, je suis allée chercher mon colis. Puis, je pense que hier, je disais que c'était un calendrier de l'Avent que je pensais, mais c'est parce que c'était comme une surprise. C'était comme un coffret dégustation Noël. Fait comme je t'ai dit, moi, je m'étais dit, ah, oh, peut-être que c'est du thé, genre, dans des petits sachets à chaque jour. Ou en tout cas, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais finalement, c'est ce petit coffret-là que je peux vous présenter rapidement. C'est de Tea Surprise. C'est un produit que j'ai reçu. J'aime mieux le dire en disclaimer. Donc, à l'intérieur, faut que je regarde ça plus en profondeur, là, mais j'ai comme des petites gâteries, fait que j'ai une petite galette, je sais pas c'est à quoi. J'ai un petit chocolat. Puis, j'ai 4 différents thés comme ça ici. Puis, il y a toutes les explications, mais dans le fond, je pense que c'est une compagnie québécoise qui fait affaire avec des maisons de thé. Je pense que c'est ça parce que c'est pas toute la même marque. Comme là, vous avez la maison de thé Chat Noir que je connais, qui est à Verdun, je pense. Là, il y a société.ca, maison d'herbe, un thé vert citron. Ça va être bon, ça. Puis, Noël en Provence de Marius Tea Surprise. Thé en feuilles exclusif. Bon pour 7 tasses. Ouais, fait que c'est, dans le fond, un service d'abonnement de thé. Vous recevez à chaque mois 4 trucs de thé puis une surprise. Fait que c'est vraiment cool si vous voulez essayer des nouveautés puis vous voulez essayer des compagnies qu'on connaît peut-être un peu moins. Là. Moi, je suis excitée de pouvoir tester ça. Donc, merci beaucoup à Tea Surprise d'avoir pensé à moi pour envoyer ça. You are my cup of tea. Oh, c'est cute. C'est écrit joyeuse fête. Oh. J'ai acheté des cartes de Noël aussi à la graine brûlée. Là, ils ont comme des... J'ai vraiment fret aux oreilles, généralement. Ils ont des cartes... ils tiennent genre des cartes de plein d'artistes pis tout ça. Fait que j'ai acheté des cartes de Noël. Ça me tentait d'envoyer des cartes cette année. Fait que j'en ai acheté 3. Faut juste que je choisisse à qui j'en envoie parce que c'était trop pour 15. Ils sont vraiment belles. Je sais pas si je vous les montre ou si, si les gens à qui je vais les envoyer vont regarder ma vidéo. Ben, je peux peut-être vous les montrer rapidement, là. Fait que je vais vous les montrer juste rapido, là. Voyez-vous? Ils sont trop belles. Je vais pouvoir écrire des petites cartes quand j'aurai le temps. Là, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Mais éventuellement, je vais pouvoir écrire des petites cartes de Noël. Je trouve ça cute. Ça fait comme un petit throwback à avant quand on écrivait des cartes. Parce qu'on s'entend que maintenant, ben, on s'écrit comme en texto puis c'est tout. Là. Voilà, je pense que ça va être ça pour la journée. Il est minuit. Puis, je viens de me démaquiller, de me mettre en pyjama. J'avais allumé une petite bougie ici. Mais dans le fond, je vais juste faire mon montage rapido, puis aller me coucher. Puis si ça prend trop de temps, ben, je vais juste laisser faire. Puis je le ferai demain. Mais je pense pas que ça va être trop long. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis on se revoit demain. Bye bye!